Je suis à Paris depuis 1950. Et je suis inscrit à l'École des Beaux-Arts un an après. Et ma vie de peintre a commencé. Je me rappelle que j'étais enfant, on n'avait pas de papier, par pauvreté. Je dessinais partout, les murs, les portes, les cahiers de l'école. Je voulais que ma famille, surtout mon frère, vienne et apprécie. Ça, c'est tous les psychologies de l'artiste, de faire et être aimé par son travail. Mais je ne copiais pas la nature, disons. Je ne copiais pas les têtes, je ne copiais pas les gens. Mais c'était l'imagination toujours. Et jusque-là, c'est ça. Je n'ai jamais été intéressé à regarder activement la nature. Mais je regardais par l'amour de la nature. Et c'est l'amour de la nature qui me donnait cette harmonie. Je crois que ce que je cherche dans la peinture à premier abord, c'est l'harmonie et composition. Mon thème général, c'est l'arbre. Je cherche la permanence qui est chez l'homme, chez nous. Je peux faire la générosité de l'homme, je peux faire la constance de l'homme, je peux faire le sourire de l'homme. L'arbre, c'est essentiel. Moi, c'est la musique de l'arbre, c'est la musique de la nature, en peinture. Mes parents, ils étaient embêtés parce que je chantais tout le temps. Je suis très, très sensible à la musique. Quand je compose ma peinture, je pars d'après ce courbe, c'est le rythme et de courbe, et ces choses géométriques dans le temps. J'essaie de le transformer en peinture. Je crois que ma peinture, c'est l'image de la musique que je devrais faire. Je voudrais partager ma légèreté, je voudrais partager les choses que j'ai eues pendant 90 ans, les essentiels. Honarmand, shab ba tardid mikhabat, ba sob ba omid bar mikhizat. Ça, c'est l'essentiel de ma peinture, c'est un moment, sourire, légèreté. C'est espoir, au fond. La peinture, c'est l'espoir.